Alors moi j'ai commencé le coaching mental il y a 3 ans, donc je pense que c'est vraiment important pour un athlète de bien se sentir bien dans la tête. J'ai commencé au début à faire de la méditation, c'est quelque chose qui ne me convenait pas trop, du coup j'ai plus essayé d'autres exercices, donc j'ai fait maintenant l'exercice qui me convient le mieux, c'est la cohérence cardiaque, donc c'est des exercices sur la respiration, donc ça m'aide à me calmer et à prendre 5 minutes pour soi pour bien réfléchir et être bien concentré dans son souffle. Je trouve ça super bien parce que c'est ce qui m'a le mieux aidé pour moi pour gérer mon stress. Aussi, je fais des exercices neurologiques donc, qui m'aident aussi à me concentrer et à gérer le stress durant tous les moments de la journée. Et oui, je pense que c'est très important d'avoir un suivi au coaching mental. Pour avoir une préparation au top. Alors avant les courses, j'ai souvent une petite routine, pas une trop grande parce que c'est pas trop mon truc, mais j'écoute souvent de la musique pour me mettre bien dans la bulle, la musique plutôt qui me motive, qui me donne de la niaque. J'aime bien avoir aussi rester tranquille, pas entendre le monde autour de moi pour bien rester concentrée. J'aime bien aussi me resserrer mes chaussures, bien mettre mon casque qui soit bien nettoyé, poser bien mes gants à côté avec ma cagoule. Donc ça, c'est ce que je fais en général comme routine avant les courses. Sinon, avant les entraînements, je suis plus détendue. Donc en général, j'écoute pas la musique. Je suis plus concentrée avec mon ingénieur ou à regarder autour du paddock et sur le circuit avec plus de feeling. Alors pour gagner, je pense une course, il faut vraiment avoir tout qui va bien ensemble. Donc c'est-à-dire un bon environnement familial, une voiture qui est très bien préparée, une bonne entente aussi avec le team. Donc vraiment tous ces petits détails qu'on pense pas qui sont importants doivent être importants parce que c'est tout ce qui va permettre à réussir de gagner une course et d'avoir beaucoup de succès pour la suite. Donc tout ça est important. Alors, le conseil que je pourrais donner aux autres athlètes, c'est de toujours être positif, de se lever toujours avec le sourire et de toujours avoir des objectifs dans la vie et de se donner les moyens d'y arriver et de le faire toujours avec le sourire, même si parfois il y a des choses qui sont moins drôles ou qui donnent moins envie de le faire, mais il faut toujours le faire avec le sourire et montrer qu'on a envie de réussir et d'atteindre son rêve ou d'atteindre ses objectifs. Le mieux possible.